L'actualité, c'est aussi le soulagement de Stéphane Tailly, ce lycéen de l'école professionnelle des industries lilloise peut enfin sourire et se replonger dans les livres. Il a été interpellé la semaine dernière lors d'un contrôle d'identité alors qu'il se rendait en cours. Après avoir passé 5 jours au centre de rétention de l'Équin, le juge de la liberté et de la détention a ordonné sa libération. Stéphane Tailly est arrivé ici en 2004 avec sa mère pour fuir la guerre civile. Et devrait donc finir ses études en France. Ce jeune Ivoirien était ce matin au tribunal administratif de Lille pour régulariser sa situation. Franchement, ça me fait beaucoup plaisir qu'ils aient pris cette décision-là, qu'ils aient pris cette décision. Et c'est un soulagement en fait pour moi parce que depuis 8 ans, je suis dans l'illégalité. Et c'est pas facile de vivre comme ça, quoi. Et donc ça me soulage beaucoup. Ouais. Je suis très contente que le tribunal ait fait droit à sa demande et qu'on ait annulé l'obligation de territoire français dont il a fait l'objet. Je lui souhaite d'avoir son bac, en tout cas c'est l'objectif qui s'est donné. Voilà, donc une bonne décision aujourd'hui, enfin on a été entendu et bravo à Monsieur Tailly.